Bonjour à tous, bienvenue sur Culture Gaming. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte d'un très vieux jeu, j'exagère, qui est sorti je crois en décembre 2021 sur PC. C'est la version sur laquelle on joue, sur les consoles PlayStation et Xbox. Il s'agit de Pray for the Gods, qui est un jeu d'action-aventure dans un open world ou semi-open world, je ne sais pas trop encore, et qui se déroule dans un univers de titans, de géants. Donc j'ai hâte de découvrir ça avec vous, ça faisait longtemps qu'il était dans ma petite wishlist. Et je remercie du coup Galou pour ce présent très très agréable. Merci beaucoup Galou, et du coup c'est avec un grand plaisir qu'on va voir ça ensemble en Let's Play découverte. C'est parti, let's go. On est parti, c'est en français, hein, l'humanité dans ses derniers jours. Alors pour info, j'ai poussé les paramètres graphiques à fond. Un hiver sans fin draine la vie de leur monde. Prêt à tout pour survivre, ils cherchent des réponses dans une légende parlant d'une île sacrée qui possédait autrefois des pouvoirs divins. Laissant tout derrière eux, beaucoup ont levé les voiles pour révéler ses anciens secrets et remettre le monde en ordre. Personne n'en est revenu. Le jeu est d'ailleurs, je crois, compatible sur Steam Deck. L'étreinte du froid se resserre et Sol, pâle et vide, se montre timidement. Le cœur chante. Du coup, si le jeu me plaît, il y a de fortes chances que je vous fasse également une découverte. Sonnez les cloches, d'accord? Une découverte pour la version Steam Deck. C'est fort possible, on verra bien. Alors ce climat, ça donne pas envie du tout, du tout. Regardez la statue de glace. Ainsi que le navire échoué, c'est quoi? C'est des drakkars, c'est ça, je crois. Ah mais il y en a partout en fait des statues. Alors ce n'est pas un gros jeu, c'est pas un triple A. C'est un jeu. On peut pas dire non plus que c'est soit un jeu indépendant, en tout cas je ne crois pas, on dirait plutôt un simple A ou un double A comme on dit dans l'industrie. Bon c'est un peu spécial comme terme, mais on va dire c'est un budget moyen et non pas un gros budget comme on a actuellement sur genre les Horizon Forbidden West, Resident Evil 4 Remake et ce genre de choses. Voilà l'héroïne en question. Je sais que la faim et la soif peuvent rentrer en ligne de compte dans le jeu, il y a également de l'endurance à gérer. Et voilà, on y est. Partie sauvegardée, merci beaucoup. Donc voilà l'héroïne. Alors, on me manque le sac à dos. Alors, on peut fabriquer des objets. Là, c'est notre équipement. On a nos gants, nos bottes, la sacoche et le plastron. Ça, c'est la map que pour l'instant, qui est pour l'instant vide. Là, on peut également fabriquer des objets, ok, donc il y a les armes au corps à corps, on va dire, les armes à distance, donc style les arcs, là c'est quoi, on dirait, une arbalète, je sais pas trop, et là c'est peut-être des objets explosifs, bref, on verra bien. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le froid était insupportable. Nous avons établi des feux avec cette chair maudite qui brûle pendant des jours. Le feu combat le froid, mais même lui ne peut éloigner la folie qui consume certains d'entre nous. Ok. Du coup, j'ai récupéré des choses. Non, c'est des notes. Ok. Ah, ça brûle! Quelle est cette jauge qui est à côté de moi? Je crois que je me suis brûlé. Alors on peut sprinter, ok. Et du coup, ça bouffe de l'endurance. Très bien. L'endurance qui se recharge dès qu'on arrête de courir. Alors c'est pas mauvais esthétiquement. C'est pas dégueulasse du tout. Même si évidemment ça vaut pas tous les gros standards qu'il y a actuellement. Alors, on escalade avec la petite gâchette. Faut changer les commandes d'escalade à tout moment dans les options du jeu. Ok.
C'est quoi ça? Trouvez 3 totems pour améliorer votre endurance. D'accord. Très bien. Les prophètes nous ont fait établir un ordre dans le chaos. Les sceaux nous délivreront tous. Sonnez les cloches. Alors, sonnez les cloches, j'imagine qu'il faut taper dessus. Parce que la grande porte va s'ouvrir. Yep. Ah. Tentons le saut de la mort. Waouh. Ça va, elle saute loin, la dame. Ah. C'était fait exprès. Regardez. Répétez les cérémonies encore et encore, rituels modifiés et tordus à des fins favorables. Tandis que je me rends mon dernier souffle, je vois que ce passage est à la fois un début et une fin. Allez, monte, madame. Ah oui, je me suis trompé de bouton parce que A pour courir et Y pour sauter, c'est pas foufou. Faut que je m'y fasse après, hein, j'imagine qu'on peut modifier ça dans les paramètres. Hop, on saute au-dessus. Je ne peux plus avancer mais mon grappin a encore quelques tirs restants. Cela devrait suffire pour traverser ce gouffre et s'accrocher à quelques rochers avant de rendre l'âme. Vous devriez peut-être... Vous seriez peut-être capable de réparer avant qu'il ne se brise. Sinon, vous devrez en fabriquer un avec du bois et des pièces détachées, comme je l'ai fait. En fait, c'est une sorte d'indice hein, que ça nous donne. Équipé. Ok. Alors, est-ce que je peux tirer partout? Ok, nice! Genre, est-ce que je peux aller en face, là-bas? On va déjà voir ce qu'il y a ici. Ok, ça nous ouvre la map. Rien à faire, mais en fait, il faut vraiment que j'aille là-bas. Oh, c'est trop bien. Hop. Allez, monte. Faut changer les commandes à tout moment depuis les paramètres de la manette. Oui, d'accord. Mais pour l'instant, on va rester comme ça. Je ferai peut-être ça en off si je vois que c'est assez chiant à faire. Alors, on a des trucs à récupérer. Manger des aliments pour ne pas avoir faim. Ok. Ah vache, elle est en galère là. Hein. Il y a quelque chose. Il a fallu tant de temps pour attacher les liens que les cordes étaient nouées et durcies par le froid. Après tant de rituels, il est tombé d'épuisement et nous l'avons enterré. Je ne suis même pas sûr qu'il soit mort, la puanteur qui émanait de cet endroit était insupportable. Alors en courant là, je vais un peu plus vite dans la neige, mais c'est pas ouf, ça y est. Ok, on peut faire des esquives. Ah vache. Alors pourquoi est-ce que je dois esquiver ici? Qui m'attend? J'ai totalement fail mon saut.
Qu'est-ce que ça fait ça? Ah. Hein? Bon, on va y aller, hein. Ouais, il est un peu imposant, monsieur. Alors, bonjour. Impressionnant, hein. Est-ce que je peux, genre, faire ça? Non. Ok, on l'esquive. Aïe. Pas escalader non plus. Ah là. Ok. Ah mais non. J'ai fait de la merde en fait. C'est pas grave, on va aller là-haut. Ça craint ça, non? Ah là là! Ok. Faut s'accrocher. Ouah! On va essayer de pas tomber! Allez! Ok. Encore une fois, je pense que ça devrait suffire. Ok. On va redescendre. Hein? J'ai plus d'endurance. Ok. Waouh. C'était pas prévu que je fasse ça. Waouh la vache. Monsieur, calme-toi. Ok. Est-ce que je dois monter? Par contre, j'ai le froid qui m'attaque encore. J'avais pas fini avec ça en fait. Ah non, j'avais pas fini avec ça. Ah, mais je suis naze. Ok. Et devant, je vois une lumière. Ouais, devant, il y a autre chose. Allez, récupère. On essaie d'aller ici. Oh là là. Surtout pas tomber parce que récupérer ici ça va être très complexe. Nice. Je sais pas si c'est bien ce que je fais, je suis en train de perdre l'endurance là. On va retourner là parce que je vois qu'il y a de la lumière ici aussi. Et je vais tomber. Arrête monsieur. Aïe. Paravoile. Non, c'est pas Zelda. Ok. Bon, viens ici toi. Essayons de repasser derrière. Ok. Allez, monte madame. Et B. On l'a eu. Alors niveau gameplay, effectivement, faut s'y faire. C'est assez rigide. Et les touches, faudra absolument que je les change dans les paramètres. Esthétiquement, il est grave stylé le bestiole, hein.
Oh, notre ami le loup. Ou alors il va nous bouffer. C'est l'un ou l'autre. C'est super mystique. Il y a vraiment un côté super mystique avec les. Avec genre les loups, cette espèce d'hôtel sacrificiel, les géants. Enfin, c'est. Alors, je ne sais pas d'où sont originaires les devs. Faudrait que je regarde. J'imagine que c'est d'Europe du Nord. Style Danemark, Norvège ou Suède, un truc comme ça. Un pays scandinave en tout cas. Alors, on a. Un crâne sur 2, 4, 6 qui est allumé. J'imagine que c'est le boss qu'on vient de battre. Et du coup, il y aurait peut-être 5 autres boss à battre. J'en sais rien, je dis ça absolument au pif. Du coup, est-ce qu'on peut voir? Ok, ça va, on est full vie, on est full endurance. Et tout le reste est au taquet, je crois. Donc, on n'a pas besoin de manger ou ce genre de truc. On a quoi comme objet? On a toujours que le grappin. On a les baies qu'on peut... La sève s'échappant des branches gèle, formant ces petites baies rouges. Elles peuvent... Réfréner l'appétit, mais doivent rester froides ou elles fondront rapidement. Ok, et on a la viande moyenne qui permet de redonner également de la faim et de la vie. Mais oui, oui. Ok, est-ce que je dois aller par là, par exemple? Je ne pense pas, hein. Non. Strange ici. Alors, au niveau de la DA, je pense que le jeu va miser tout du long sur le gigantisme en fait. Et l'héroïne qui semble très très petite par rapport à tout ce qui l'entoure. On a récupéré des. Je sais pas, des cacahuètes. Alors, qu'as-tu à me prendre, à me vendre, à me donner, monsieur, dame? Ah bah, tout à l'heure, je parlais de paravoile. Vous avez vu? Et voilà. Zelda est passée par là. Une paravoile, ok. Oh, ce serait bien que j'aie une arme, en fait. Parce que là... Une potion, ok. On va fouiller, hein. Il y a cette porte-là à ouvrir. Ok. Là, on a quoi? Utiliser des armes de mêlée. Ok, c'est quoi que cette arme qu'on a trouvée là? Un gourdin. Qui sert de torche quand enflammé, ok. Alors, maintenir LT pour le verrouillage, ok. Alors, premier combat contre... à taille humaine, on va dire. Oh, le combat à taille humaine est terminé.
Allez, on farm. Hein. Le deuxième combat à taille humaine est terminé. Dormez pour éviter l'épuisement. Ok, c'est un sac de couchage. Mais vous êtes nul! Toi, tu veux pas, ok. Je sais pas trop par où aller là. On va juste regarder par là. On va casser ça. Potion. Point d'intérêt. Ok, c'est ça là-bas. C'est très loin. C'est très très loin. Ok, donc ça c'est l'univers qu'on peut parcourir. Ça semble très froid. D'accord. Oh, arc et flèche. Nickel. Nickel. Donc on équipe l'arc comme ça, ok. Donc la croix directionnelle droite, c'est pour l'arme corps à corps. Et la croix directionnelle gauche, c'est pour les flèches. Enfin, pour l'arc, du coup. Toi, couche panier. On récupère toutes les flèches, hein. Ok, est-ce qu'il y en a là? Oui. Toi, tu dors. Ok. Vache, on a farmé de ouf là. Là, il y a encore quelque chose. Des flèches. Ouais. Alors. Sésame, ouvre-toi. Ouais, j'aurais pas osé non plus en même temps. Maintenant vous voilà cherchant notre reine, savez-vous qui nous sommes? À les âges, nous les sœurs avons reçu de nombreux noms. Oracle, demi-dieu, prophète, sorcière, norne. Pouvons voir les destinées de ce monde. Nous pleurerions pour ce monde tombé si bas, aurions-nous des yeux. Si vous êtes ici pour sauver notre monde, mettre fin au fléau et à toute la souffrance, vous êtes les bienvenus. Non, ça j'invente. Vous arriverez trop tard, ce monde est déjà perdu. Ah bah voilà! Margir varu komnir áður með ofsa og sverð og réttlæti þeirra blindaðir af áhugum sínum sneru þeir afleiðis sannindi var letu þeir oss her að flosna og svo höfum við beðið í þessum rónarstað her til undarlegt af því ert þú komin. Við höfum og mikinn skaða haft en megum við eigi fela. Qu'est-ce que c'est que ce
cet objet là. Nous pouvons ramener ce que vous avez perdu, cependant il existe peut-être un autre moyen de répondre à vos prières. Segðu svo er þú hefur hafið er fyrsta stig til staðar þíns. Chemin nécessitera mucho sacrifice. En verður sjá vegur skal gjalds. Ah, c'est un peu lent hein quand même. Morg kraptuk morg diljaski golga. Les nombreux sceaux sont toujours logés dans les blasphèmes rôdant sur ces terres, trouvez-les, libérez-les. Þessi morg þarf þú að finna. Alors seulement le chaos laissera passer à l'ordre et un nouveau monde sera apte à vivre. Sonnez les cloches. Alors. Des trucs un peu partout. Pourquoi je ramasse plusieurs fois la même épée en fait? Est-ce qu'elle se brise? Regardons ça. Abîmée par le froid, cette arme a connu sa part de bataille. Pareil. On peut les fabriquer du coup. Qu'est-ce qu'il faut par contre? Alors je tâtonne hein. Ok, là on équipe simplement avec ça. Ok. Avec ça, c'est pour la démanteler, ok. Et ça, c'est pour la sortir de l'inventaire. Ok, je viens de comprendre. Donc en fait, on va équiper une épée. Voilà. Ok, je viens de piger. Du coup, on va ressortir de là. Ok. Alors on a récupéré épée, on a récupéré les arcs, on a avancé un peu dans l'histoire. Ah, par contre j'avais vu un truc tout à l'heure. Vous voyez les plateformes là? Est-ce qu'on peut y aller en escaladant par exemple? En passant par là. Hop. Perdre l'endurance, on grimpe. Alors ça c'est du Zelda. Hein. Ok. Non. Ah. On farme encore des trucs. Du coup, le point d'intérêt, il était là-bas. Mais est-ce que je dois y aller maintenant? Si je regarde la carte, mon objectif, qui semble être mon objectif, est en face de moi. Ben, ça semble être ça. Hein. On va y aller, hein. On va y aller. Hop! C'est là-bas. Alors, on n'est pas pris par la main du tout, par contre. C'est un... Oula, bonjour! Allez! Ok. Trois flèches, il est mort. Allez, grimpe, madame! Qu'est-ce que c'est? C'est du caca? Je sais pas du tout. Il y a un truc qui brille là, non? Ouais. On ramasse le bois en fait. D'accord. Encore une flèche. Oh là!
Il est où? Ah oui, il faut que je me le fasse déjà. Voilà, ok, il est mort. Non, il est pas mort. Meurs toi là-bas. Ok. Ah la vache. Ok, ok, il est mort, c'est vraiment, vraiment mort là. Ah, très bizarre là, j'ai l'impression de pas l'avoir touché du tout. On a perdu de la vie à mort là. Je regarde qu'est-ce qui redonne de la vie. Ah, ça un petit peu. Ok. Ça a l'air ultra grand en fait. Ça a l'air ultra grand, mon objectif est là-bas, ça a l'air immense. Alors j'espère qu'il y a des sauvegardes régulières. Ça j'en ai aucune idée. On va aller fouiller un petit peu là. Mais ça semble ultra ouvert. Et on a l'air super libre de faire ce qu'on veut, on peut pas passer par là. On va passer par là, hein. Kenny, prends le chemin. On va aller voir là-haut ce qui se passe. Les potions. Il y a encore des caisses. La vache, tout ce qu'on récupère. De ouf. Oh, on a envie d'aller fouiller partout en fait. Je crois que mon arme est sur le point de casser. Oui. Effectivement. Bonjour. J'ai plus de flèches. J'ai plus de flèches. Je me disais, la flèche fait un drôle de bruit. Bon, tant pis, j'imagine qu'on peut chasser également, mais bah, j'ai plus de flèche. C'est ultra grand. Je sais pas où aller en fait. Voilà, il y a une espèce de caverne. Non, c'est pas une caverne, c'est... D'ailleurs, c'est vers mon objectif, là. Ouais, c'est vers mon objectif. Est-ce qu'on peut crafter des flèches? Fabriquer des objets, ok. Mais quoi comme objet? L'arc aussi, il y a de l'usure. Enfin, il y a de l'usure pour tout. Ça, c'est le grappin. Les baissangues. J'essaye de comprendre. Fabriquer des objets. Ah, je suis peut-être bête, mais là je vois par exemple il y a 6, il y a 3 cordes, 6 tapis, 6 je sais pas ce que c'est. Ah ouais, vous avez compris là où c'est marqué fabriquer des objets en fait, mais à quel moment je fabrique? Je sais pas, je ne sais pas, je vous avoue que là... Ah, il y a quoi là? Ok. C'est très intriguant là. Un ponton, allons pêcher. Ah, il y a un village. Un village. C'est vite dit, hein. Un arc. Une nouvelle lettre. La nuit dernière, une tempête a éparpillé nos ressources, dont mon journal. Je suis parvenu à trouver quelques pages. Je laisserai d'autres trouver et lire le reste.
Peut-être que mes griffonnages seront utiles à quelqu'un dehors, cette pensée me pousse à continuer à écrire et à rester en vie. Ces tempêtes se sont intensifiées depuis que nous sommes allés au temple, certains sommets, elles semblent durer éternellement. J'espère que le temps se lèvera bientôt. J'espère aussi, j'aime pas trop le froid moi. Ok, alors ça y a du farm à mort. Hein. Ok, un... Vous voyez la croix rouge là sur, le... sur la map, j'imagine que c'est un... une sorte de quête secondaire. Ok, on va récupérer des flèches là. Oh la vache, c'est très approximatif sur certains plans quand même au niveau du... Au niveau, on va appeler ça de la hitbox. On récupère des flèches, ça c'est bien. Il y en a encore là. Oh, ok. Allons voir la petite maison. La petite cabane, petite hutte. Un totem d'immunité. Yep. Non, je crois que c'est le deuxième, c'est ce qu'on avait récupéré tout au début du jeu. Ok. Ah, on peut faire du feu. Est-ce que ce serait les sauvegardes? Ou un point de téléportation peut-être? Alors là, on nous explique, je regarde un peu les aides, hein. La TH, l'inventaire, la résistance à la faim, à la fatigue et au froid. Et on nous explique comment fabriquer des armes, améliorer les tenues. Ok, bah je regarderai ça en détail. Ok. Mais écoutez, on va s'arrêter là du coup. Sur la découverte de Pray for the Gods. Comme je vous l'ai dit, c'est disponible partout. PC, Xbox, PlayStation depuis un long moment maintenant. Depuis quasiment 2 ans, je crois. Il était d'ailleurs sorti depuis encore plus longtemps que ça en accès anticipé. Ce plan est très joli. Ce plan est très joli. Je vous fais des grosses bises. N'hésitez pas à les pouces bleus, commentaires, tout ça, tout ça. Vous en avez l'habitude. Je vous dis à bientôt, les amis. Amusez-vous bien. Bye bye.